dans ce chandelier au-dessus d'elle, majestueux, avec les images du film Titanic derrière elle. C'était vraiment magnifique. Évidemment, la robe aux épaules, aux manches très bouffantes, très échancrées, a fait beaucoup parler aussi. Et pas de collier cette fois-ci. Ben non, parce qu'on le sait, elle fait ce fameux signe où elle se frappe la poitrine. Elle l'a fait d'ailleurs hier, donc pas de mal pour le cœur de l'océan qu'elle portait alors qu'elle avait fait trembler tout le monde à la sortie du Titanic. Oui. Justement, elle avait chanté cette chanson. Puis le collier était presque parti. Mais donc, hier, pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment la prestation qui semble avoir fait le plus de bruit sur les médias sociaux. Mais quand même, il y avait aussi toute une autre prestation, celle de Cher. On lui remettait un prix pour l'ensemble de sa carrière hier et on savait déjà qu'elle allait interpréter Believe. Oh. C'était tout un événement. Ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas fait de numéro dans le cadre d'une remise de prix comme celle-ci. Tenue ultra légère.